I'm calling now an assistant secretary general of the Economic Community of Central African States, His Excellency Roger Khoungi. You have the floor, sir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les plans d'action d'Afrique centrale 2012-2016 de préparation et de réponse aux catastrophes et 2013-2015 pour la réduction des risques de catastrophes constituent les principaux documents opérationnels de la stratégie sous-régionale qui s'articule autour de priorités d'action identifiées par les États membres de notre institution, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. La CEAC exprime sa gratitude à tous les partenaires pour le rôle clé qu'ils jouent dans le cadre du renforcement des capacités de la sous-région. Leurs appuis multiformes ont permis de disposer du document de stratégie assorti d'un cadre d'action pour sa mise en œuvre ainsi que de plans opérationnels pour accélérer le processus d'action avant le prochain cadre d'action de Yogo et renforcer ainsi les mesures de préparation et de réponse aux catastrophes. Une allocation progressive et significative de ressources propres au domaine de la gestion des risques de catastrophes et de l'adaptation au changement climatique, une coopération stratégique et opérationnelle, la mise en place d'une plateforme, l'organisation de forats annuels de prévisions climatiques saisonnières et de consultations annuelles sur la préparation et la réponse aux catastrophes au niveau sous-régional ont permis aujourd'hui, au niveau de la majorité des États membres, un cadre législatif qui existe, l'intégration des questions liées à la réduction des risques de catastrophes et au changement climatique dans les stratégies et plans nationaux de réduction de la pauvreté, des efforts de budgétisation des activités, les événements commémoratifs internationaux célébrés chaque année et qui constituent des plages de sensibilisation et de formation de masse dans la plupart des pays, un centre régional de protection civile ayant l'ambition de devenir un centre d'excellence sous-régional et fonctionnel, une tendance naissante de collaboration à la préparation et à la réponse aux crises au niveau sanitaire et agricole. En outre, deux universités, Libreville et Yaoundé 2, délivrent un diplôme de master en sécurité, défense, gestion des conflits et des catastrophes. Reste que le plaidoyer est insuffisant pour financer, susciter l'engagement. Aucune banque de données n'existe. Le développement du processus au niveau des communautés de base n'est que naissant. L'Afrique centrale reste dépourvue d'un centre climatique régional. Des difficultés persistent pour la transformation des données météorologiques en produits utilisables. L'intégration de la réduction des risques des catastrophes dans les programmes de développement et dans tous les secteurs d'activité reste largement à parfaire. Et enfin, la collaboration entre les réductions des risques de catastrophes et les trois conventions de Rio reste un défi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est dans ce contexte que la CEAC a démarré le processus de consultation post-2015 à travers les plateformes nationales. Elle se félicite des dispositions qu'elle note chez les partenaires techniques et financiers, augurant différentes opportunités offertes à l'avenir. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Assistant Secretary General.